moi la maman. Salut tout le monde. Je suis Elena. Je suis Amélia. Daniel. Et vous êtes sur notre chaîne Amelinakis. Et aujourd'hui, on va faire un extrême cache-cache dans notre villa de vacances. Un cache-cache que vous avez jamais vu. Restez avec nous, ça sera super intéressant. C'est parti. N'hésitez pas à mettre des likes. Beaucoup de likes. Ouais, pour ce cache-cache extrême que vous avez jamais vu. Et abonnez-vous à notre chaîne. Premier round. Chaque round, on aura deux boîtes. Une petite et une grande. La grande, elle fait très peur. Et on doit jouer ces boîtes. Donc, on va faire pierre, papier, ciseaux. Et celui qui gagne va prendre la boîte qu'il veut et qui va se cacher en premier. Allez. Shifumi. Voilà, j'ai gagné et je choisis la petite boîte. Je suis trop contente de la voir parce que c'est la boîte que je voulais, parce que la grande, elle me fait trop peur. Ah, moi, ça me fait trop peur. Je voulais pas la choisir, je voulais choisir la petite. Bon, là, c'est moi qui compte et tu vas te cacher. D'abord, il faut que tu ouvres ta boîte. Je prends ma boîte aussi pour pas que tu regardes hein, quand je serai pas là et j'y vais. On aura 2 minutes pour se cacher et on aura 3 minutes pour chercher. Ok, j'ouvre ma boîte. Et j'ai du parfum à l'intérieur. J'ai mis 2 minutes et j'attends dehors. Il fait nuit. Encore une difficulté dans ce cache-cache. Il fait nuit. Là-bas, il y a ma grande boîte. Ça m'intéresse trop de savoir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. J'ai le droit de le regarder quand je vais me cacher après. Ils sont trop beaux. Okay, et j'ai une feuille en plus. Parfume-toi avec ce parfum 10 fois. 10 fois, mais je vais puer. Même s'ils sont bons, mais ça va trop sentir. Ça va sentir trop fort. Et en plus ça va me trouver très vite. Bon allez, j'y vais. 1, 2, j'en mets partout. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'arrive même pas à respirer. Avec ce parfum, je sais même pas où me cacher. Je vais trouver une cachette où on peut se fermer à l'intérieur. Je pense que ce serait un armoire. Oh, ils sont très forts. Alors, je choisis la chambre. Pas la mienne parce qu'elle va croire que je vais y aller. Dans la chambre d'Elina. Là-bas, elle a plein de pulls. Ils sont très grands. Je pourrais me cacher. C'est bon, je peux y aller. J'aimerais trop savoir qu'est-ce qu'il y a dans sa petite boîte. C'est bon. Alors, revenez. Kikéo. Et c'est parti pour 3 minutes. Ça sent mon parfum de ouf. À côté de la boîte, il y a un parfum. Elle s'est pas fumée avec. Ah mais il faut que tu prennes tes affaires ensemble. Pour pas que je le sache. Alors ça sent en bas. Alors ici. Je vais chercher par l'odeur. On sent presque plus. Non, c'est pas ici. Mais vas-y, mon petit chat. En même pas 30 secondes, je suis trop forte. Quand j'ai ouvert cette armoire, il y a un truc qui a bloqué. Il y a même un qu'on peut se faire. On s'est rigolé. C'est trop nul. Amélia, alors je t'ai trouvé. Du coup, je gagne 1 point dans ce round. Maintenant, c'est à toi d'aller dehors et moi, je vais voir qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte. C'est à moi de regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Si vous voulez savoir qu'est-ce qu'il y a dans ma boîte, c'est maintenant.
3, 2, 1. Ok, alors je mets 2 minutes et j'attends qu'Elina se cache. Oh là 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 là, il est hyper grand. Il est très gros. Il est hyper grand, regardez. Je vais essayer de me cacher avec. Prends ce jouet et cache-toi avec. Mais bien sûr, c'était sûr en fait, je vais pas me cacher avec. Regardez, il est hyper... Il fait plus ma taille. Avec ce jouet, je peux me cacher que dehors. Alors attendez, je vais prendre ma boîte. J'ai caché les accessoires, la boîte et le petit mot. Et maintenant, je vais aller dehors. Ben, j'avais oublié mes affaires, j'avais oublié le mot et le parfum. Et en plus, elle a tout lu. 2, 1. Elina, elle a laissé sa boîte. Je veux voir qu'est-ce qu'elle a mis. Ok, bon, je mets 3, 2, 1, go. Y'a rien. Oh, j'en étais sûre. Comme elle a une grande boîte, elle aurait un grand objet. Alors, je vais chercher dans les endroits le plus grand pour qu'elle rentre. Je vais trouver un endroit où il y a une grande place pour qu'elle se mette. Les affaires bougent, c'est pas normal. Oh, y a Daniel avec Rocky. Bon, Daniel, je laisse Daniel tout seul. Je pense que je vais y aller droit. Je vais d'abord chercher dans le jardin et après en haut. J'ai allumé la lumière. Maintenant, je vais chercher Elina. Non, elle a pas pris. Tada, Elina, je vois ta tête. Moi, c'est la stylo. J'en étais sûre qu'elle avait été un grand objet. T'as vu avec quel grand objet que je dois me cacher. En plus que j'allais y aller en haut en plus. Pourquoi t'es pas allé en haut, hein? Parce que d'abord je vais dans le jardin. Montre, il me restait 1 minute 16. Avec un doudou si énorme, je peux même pas rentrer dans une armoire. Alors, dans le premier round, on a 1 et 1. Ça, c'est le deuxième round. On a toujours les mêmes boîtes. Et maintenant, il faut refaire pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. Pierre, papier, ciseaux. C'est moi qui gagne. Et je prends la petite boîte. Et moi, la lourde. La boîte, elle était trop lourde. Non, pas du tout. Elle est légère. Bon, je vais y aller. Comptez. Oula, la boîte, elle est trop lourde. Je pense pas que je vais la prendre là. Alors je vais l'ouvrir là tout de suite. Attends. Ok, merci. Cache-toi avec. Avec. Avec lui! Je sais pas comment je vais me cacher avec lui. Ok, je mets 2 minutes. Voici ma petite boîte, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est? Une enceinte. J'espère qu'il faudra juste courir avec et dans les mains, sans mettre de la musique. J'ai peur. Voilà, c'était sûr. Mets de la musique et cache-toi avec. Je mets à fond. Comment je peux me cacher avec cette musique? Mais c'est quoi cette musique? J'ai une idée.
dedans. Et je vais me cacher en tout là. La musique, elle s'est éteinte toute seule. C'est pas mon problème, je me cache juste avec. Et j'ai enfreint aucun règle. Je suis... Alors j'ai entendu de la musique. Je sais pas, mais j'ai hâte de la trouver. Alors comme j'ai entendu de la musique... Oh, oh. J'ai entendu quelque chose en haut. Là, je suis peur de moi-même. Bon, ici, elle n'est pas là. Merde. J'ai une idée. J'ai pas ici. Mais tu m'as fait trop peur! Oula! Je vois une personne. T'as entendu les chiottes de rincer? Non. Un bidon. J'étais sur les chiottes au début, ça fait. Bon, il me restait 28 secondes. Et en plus, quand j'étais en train de t'attendre, j'ai entendu de la musique. Voici ta musique là. Mais Lina n'entend rien. Ben en fait, je crois qu'elle est morte. C'était écrit mets la musique et cache-toi avec. J'ai pas enfreint les règles, j'avais mis la musique au début. C'est elle toute seule qui s'éteint. C'est quoi ça, c'est cassé? Amélia va te cacher et moi je vais aller compter dehors. Je vais me cacher dans le jardin avec Daniel. Alors on y va.
Oh là là. C'est parti. 1, 2, 1, c'est parti pour 3 minutes. Alors le chat il est devant le jardin, donc je vais voir si elle est dedans. Elle est dehors. La boîte est dedans. La boîte est dedans. J'ai pas vu. Mais y a rien dedans. Alors dehors, parce qu'il y avait le chat je crois. Il est pas là. Quoi? Elle est ouverte. Elle est toujours fermée, donc mais non, c'est trop petit. Elle est où cette buzine là, j'ai trop. Ah, ça a sonné. Putain, je vais le voir quand même ici. Ça a sonné. J'ai pas trouvé. Ils s'endorment. Les dos. Je savais qu'on aurait qu'il me donnait plein d'adis, il m'aime trop. Oh, oh j'ai peur de partout là. Elle est où cette Amélia? Je les ai pas vus. C'est pas que tu caches avec lui? Ou avec les sacs poubelles? Et les sacs poubelles? Ah oui, donc c'était si simple la cachette. J'ai pas trouvé. Alors Amélia, elle a 2 points pour l'instant et moi un seul. Donc j'espère que je vais me rattraper là. Et on va faire encore Shifumi? Oui. Shifumi. Tu choisis? Allez, je choisis la petite boîte. Tu crois vraiment que je vais prendre la grande boîte? Elle est toute légère. Mais peut-être qu'il y a un grand truc derrière, elle est toute légère. Non, si elle serait grand, ce serait très lourd. Là, c'est trop léger. J'ai une lampe torche et un mot. Allume cette lampe torche et cache-toi avec. J'ai une idée. Bon, demain, je prends le mot pour qu'elle ne le lit pas, Elina. J'allume la lampe torche. Et je la mets comme ça et je me cache. Alors je vais me cacher derrière là-bas. D'abord ça, je vais le mettre.
Je veux. D'abord, je mets le mot. Je prends le mot. J'allume là. Alors, je franchis pas les règles. Tant qu'elle est allumée, je peux la mettre comme ça. Ok? Déjà, c'était dur d'inventer de comment se cacher avec Daniel, alors que là, je sais pas du tout qu'est-ce qu'elle a dans sa boîte, mais je pense que c'est difficile aussi vu que c'est le dernier round. Il reste 5 secondes. C'est parti, on va chercher Amélia. Alors attendez, on va mettre le chrono d'abord. Ah ouais, c'est ma petite boîte, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a encore toujours dedans. On a 3 minutes. Alors, tu as pas la boîte? Alors je pense plus qu'elle va se cacher dans le jardin pour la deuxième fois, et pour la troisième fois. Dans le salon non plus, il n'y a pas de cachette. On va l'aider là trop. Déjà caché, donc je pense que ça sert à rien de te chercher ici. D'abord je sens pas d'odeur. Donc elle a pas de parfum, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dans sa boîte alors. Normalement, elle doit encore sentir le parfum, donc je vais chercher par l'odeur. Ici, je me suis cachée. Mais elle est où? Ici, ça sent pas. Mais elle est où? C'est terrible. Cache-toi avec un... C'est pour ça qu'il y avait un parapluie à côté de moi. Cache-toi avec un parapluie ouvert. Ouvert. Mais pourquoi j'ai tous les trous gros aussi là? Il est hyper grand. Je peux pas réussir à me cacher avec. Ouais, c'est bon, j'ai déjà perdu. Ah oui, quand j'avais un... Je peux encore que me cacher dans le jardin, donc on y va. Il a trouvé déjà une cachette, je pense. Attends. Je peux me cacher que dans le jardin avec ce grand parapluie. Et elle va jamais de ce côté, donc je vais me cacher vers ici. Je passe le montant. 3, 2, 1, go. Il y a quoi dans la boîte? Elle a oublié quelque chose. Cache-toi avec un parapluie ouvert. Ok. Alors, tant que je vois pas un parapluie, elle n'est pas là. Alors, je vais chercher en haut. Je vois pas du parapluie ouvert. Là non plus. Elle est pas là. Dans le jardin. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est une prothésie. Et ça a déjà sonné? Non, là c'est déjà sonné. J'ai entendu sonner 3 fois. Et du coup, d'abord j'ai fait tout le tour de la maison. Je reviens à ma place et puis là je l'entends sonner 3 fois. Après je reviens là, je regarde, je vois. Elle reste comme ça. Et je l'ai pissale. Et du coup je vais là. Et j'attends comme ça. Et Amélie elle arrive, je dis bah, c'est bon, j'ai gagné. Elle me dit bah non, ça va pas sonner. Hein.
Mais je savais pas, moi j'ai entendu trois fois sonner. Hein. Je pense que c'est au voisin que ça a sonné. Non, c'est à toi, j'ai entendu trois fois à la maison. Je te jure, ça a sonné trois fois. Non. Je me suis levée de la cachette. J'ai perdu très bêtement en restant devant la piscine parce que j'ai entendu sonner trois fois. Alors ça veut dire que j'ai trois points. Et Lina, elle en a combien? Un. Seul. Super, elle m'a trouvé trois fois dans les trois rounds. Et on m'a trouvé une fois dans les trois rounds. Voilà. Alors, donc n'hésitez pas à mettre des likes. Beaucoup de likes. Ouais, pour ce cache-cache extrême que vous n'avez jamais vu. Et abonnez-vous à notre chaîne. Je suis Elina. Je suis Amélia. Et aujourd'hui, on va faire un énorme cache-cache dans notre villa de vacances. Pour se cacher, on se donne 2 minutes. Et pour chercher, on se donne 3 minutes. Bah, je pense que c'est équitable. Voilà, donc c'est parti. Mettez beaucoup de likes. Pouces bleus. Au moins, vas-y, 1 million. N'importe quoi. Encore plus. Je suis sortie, Amélie, elle est en train de se cacher. Et je vais mettre le chronomètre de 2 minutes. Et j'attends. Moi aussi, j'ai trouvé une super bonne cachette. J'espère qu'elle a pas pris. Alors, j'ai trouvé une cachette, c'est dans la cuisine. Et maintenant, j'attends Elina. Je sais pas si j'aime bien fermer ou pas. Voilà, il reste 20 secondes. J'ai pas envie qu'elle me trouve. C'est bon, c'est fini. Il faut sonner. C'est bon, je lui ai dit que je venais la chercher en sonnant à la porte. Alors, je mets le chrono de 3 minutes pour la chercher. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, là, elle est pas. Dans le canapé, c'est une bonne cachette. Mais on avait déjà joué à cache-cache et elle s'était déjà cachée dedans. Il manque pas de plaquettes, c'est bon. Elle est simple ta cachette. Hein. Je pensais que j'allais pas ouvrir les tiroirs parce que c'est des bêtes. Tu sais qu'au début je voulais pas ouvrir les tiroirs. Hein. Je crois que c'était bête de se cacher dedans parce qu'il y avait pas de place. En fait, si. Faut trouver Daniel Hamson qui doit chercher. Ah, j'ai cru que c'était lui. Rocky. Et les minutes sont pas terminées tant que t'as pas trouvé Daniel. Oui, non. On ne voit pas Daniel, donc c'est bon, j'ai gagné. On est 3 étages, comment tu veux que je cherche en 2 Voilà, je suis trop forte. Oh, tiens, c'est une minute, c'est bon, j'ai gagné. J'ai gagné ce round, super, j'ai trouvé les deux en plus. Bah, Daniel, c'était un bonus, et maintenant c'est à toi, Amélia, d'aller dehors. Attends, 2 minutes, et après tu mets 3, ok? Ah, mais depuis que je t'ai trouvé, tu t'as dit aucun mot. Oui, je sais. Allez. Mais le chrono, je suis déçue qu'Elina m'a trouvé très vite. Je pensais que c'était la meilleure cachette pour se cacher pour qu'elle me trouve pas. Mais elle m'a trouvé, je sais pas comment elle a fait. En plus, elle voulait pas ouvrir ce tiroir, mais elle a quand même ouvert. Je suis très très déçue. C'est bon, j'ai déjà trouvé ma cachette. Je l'ai fait, genre je l'avais déjà trouvée avant de commencer la vidéo. Je vais chercher Elina. Je vais rester comme ça 2 minutes. On va commencer par ici. Bon, ici il n'y a pas de cachette. Derrière la chaise, elle est pas. En dessous du lit, elle est pas. Et
Ok. Elle est pas là-bas. Maintenant, on va en haut. J'ai trop chaud. Elle est pas là? Non. Ouais, mais t'as pris plus de temps à le chercher. Et Daniel? Bon, lui, ça compte pour du beurre, on va le chercher. Lui, j'avais... Il est trop chaud. Oh là là. Mais il est où? Je l'avais oublié. Je vais chercher en bas, Daniel. Ici, c'est ouvert. Il est pas. Il s'est caché à la même cachette que moi. En plus, il a pris un coussin. Il y a un partout. J'ai trouvé Lina et Lina m'a trouvé. Dans le dernier round. Et maintenant, c'est remoi de compter. Et Amanda va se cacher. Allez. J'espère que tu vas trouver une meilleure cachette. Oui. Et c'est parti pour 2 minutes. 2 minutes, c'est assez pour se cacher, je trouve. On va mettre les 3 minutes. 3, 2, 1, c'est parti. Je crois qu'il va pas se cacher ici, vu que c'est déjà caché. Personne. Oh, je rigole. Personne. Personne, c'est bon, non. Il était pas dans le salon. Personne. Il y a vraiment personne. Même Daniel, je trouve pas. On va au deuxième étage. Y'a personne. Reste 20 secondes. Non, je reviens. Je cours, maman. C'est bon, c'est fini. Ah, j'ai perdu. Oui, j'ai perdu. Oui, j'ai perdu. Amel, j'ai perdu. Yes, j'ai gagné. Je sais pas où elle peut se cacher dans le jardin. C'est
dedans, je te jure, j'étais sûr en fait. J'étais sûr. Ah bah là, ouais. Amis, en plus, vous voulez nous cacher ici aussi. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. Alors, il y a un, deux. C'est qui cadeau, Elina? C'est toi, mais t'inquiète, on n'a pas fini. Là, c'est à moi de cacher. Je vais me cacher très bien. C'est un téléphone. C'est parti. Alors là, j'ai trouvé une super bonne cachette. Alors, je suis trop contente. J'ai gagné. J'ai eu trop peur. Parce qu'il y a eu une petite araignée. Même si c'était une petite araignée, j'ai peur des araignées. Et j'allais crier. Mais ouf que je me suis retenue. Et comme je me suis retenue, Elina ne m'a pas retrouvée. Alors, je suis trop contente de gagner un deuxième point. Trois, deux, un, go! Allez, 3, 2, 1, go! Ça fait trop peur. En plus, il me reste 37 secondes. Alors, j'ai... Il lui restait que 37 secondes. C'est une blague. J'aurais dû gagner. J'en étais sûre. Elle est trop bien, ma cachette. Non, j'en étais sûre qu'elle allait faire un truc. T'as vu mon ombre là-bas? Genre, non. J'étais ici et on voyait mon ombre jusqu'à là-bas. Je me demandais si Amélia l'avait vu. Pour le premier round, on s'est trouvé nous deux. Ça fait 1-1. Pour le deuxième, elle m'a pas trouvé et je l'ai trouvé, alors ça veut dire que j'ai deux points. Et moi, un. Et j'espère que je vais me rattraper dans le troisième round. Et c'est le dernier round. C'est parti. C'est bon, j'ai allumé le chrono. Elle va pas trouver meilleure cachette que moi ou toi. C'était la meilleure cachette. Je sais pas comment elle va trouver encore meilleure. C'est bon. On va chercher un mètre. Attendez, venez. C'est où là? 3 minutes, c'est parti. Non mais la mienne, hein? C'est ça. Oh là là. Je vais aller monter au deuxième étage. La terrasse était pas ouverte, je l'avais fermée. Non. Il y a personne ici. Je sais pas si elle va me trouver ou pas, mais j'espère qu'elle va pas me trouver. J'espère qu'elle va pas me trouver. Le chien, il regarde quoi? Je voulais pas partir. Thank you.
Ouais, là, il y a quelqu'un. Maman. Il y a Mel. Ah, Mel, ça va? Qui? Il est où? Non. Merci, Rogue, je t'aime. Tu m'as aidé à le trouver. En fait, j'étais allée à la terrasse et j'ai déjà vu Rocky en train de regarder un truc comme ça. Du coup, je me dis non, il a juste regardé la fenêtre. Et puis après, je vais dans la salle de bain et en fait, Rocky n'était pas en train de partir de la terrasse. Il restait, il regardait un truc. Du coup, bah, je pensais que c'était rien, je suis partie. Puis après, j'étais en mode, mais il reste longtemps là, il regarde quoi? Du coup, je suis revenue et là, j'ai vu Amelia. Donc merci Rocky. Voilà, trop bien. Go, j'ai mis le chronomètre. Je suis très déçue qu'Elina m'a trouvé. J'ai trouvé une bonne cachette, mais Elina m'a trouvé à cause de Rocky. S'il serait pas resté, elle aurait pas su. Alors, je viens de remarquer que Amelia, elle cherchait pas dans le jardin. Elle est jamais sortie dans le jardin pour me chercher. Donc... 3, 2, 1... Hop. Ok, il y a quelqu'un qui a fait une cavale. Personne encore. Oh oh. Ok, elle est pas dans le balcon. Elle est nulle part. J'ai trouvé un life hack. À la place de rentrer dans la terrasse, je regarde par la fenêtre. Et là, j'ai pas le temps. J'espère qu'il n'y a pas Rocky qui va sortir dans le jardin et qui va me montrer à Amelia. Ok, elle est pas dans le balcon. Oh bah, je vais chercher encore. Mais elle est où? Non, elle n'y a pas. J'ai trouvé une cachette super simple et elle m'a pas trouvé dedans. C'est où alors? Viens voir. C'est là, derrière son mur. C'est derrière son mur. Comme vous pouvez voir, même cachette simple, elle peut pas me trouver. C'est bon, on a fini ce challenge. On a égalité. 2-2. Moi, je suis pas d'accord d'avoir égalité. Je vais aller demander à Amelia de jouer à cache-cache parce qu'il y a beaucoup de cachettes dans cette maison. Viens Amélia, on fait un cache-cache. Mais oui, je m'ennuie moi. Les règles du jeu. La personne qui va compter, elle va aller devant la maison. Pendant 2 minutes, elle va compter. Donc l'autre, elle va se cacher. Mmh. Et puis après, tu auras 2 minutes pour trouver. Et comment on sait quand les 2 minutes sont écoulées? La personne qui va compter après 2 minutes va sonner dans la maison. Et puis l'autre personne qui est en train de se cacher va savoir que tu viens la chercher. Okay. C'est bon? Oui. Je vais commencer à me cacher en première vu que c'est moi qui ai eu l'idée. Oui, si tu veux. Alors on va compter dehors. Bon, c'est bon, j'appuie le minuteur de 2 minutes. Démarrer.
Et maintenant, j'attends. Ok, alors elle est partie dehors. Et maintenant, je vais me cacher dans la salle de bain. Je pense pas qu'il y a de cachette. Dans le grenier. Surtout pas. Pas du tout. J'ai trop peur, il fait trop noir. Sous la table, trop facile. En 2 minutes, elle peut bien se cacher parce que la maison, elle est grande et il y a beaucoup de cachettes. J'ai peur que je vais pas la trouver. Je pense qu'elle va chercher ici, à l'entrée. Donc, je vais aller au premier étage. Donc, là, il y a la salle de bain. Je pense qu'il n'y a pas de cachette. Peut-être sous le lavabo. Non, c'est trop facile. Dans cette chambre. Sous le lit. Aussi, c'est trop facile. Non, ici. J'ai que 2 minutes. Alors, dans la chambre de nos parents, vu qu'elle est grande, je pense qu'il y a des cachettes. Une armoire. Il reste 33 secondes pour que je vais la chercher. 5, 4, 3, 2 et 1. Je mets 2 minutes pour chercher. Je trouve pas que ici il y a beaucoup de cachettes. Non, mais il n'y a pas beaucoup de cachettes pour une lampe. Je pense pas qu'elle est là. T'avais bientôt fini le chronomètre? Ouais. Oh. La moins confortable. Et mon crâne, il a trop mal. Attendez, je vais me m'allonger. Attends, mes lèvres, mes cuisses. Quand elle va arriver, du coup, je vais vous cacher. Comme ça. Non, mais je vais pas bien mise, en vrai. J'ai peur qu'elle va pas me voir. Regarde, c'est vraiment trop beau. Quand elle va monter, je vais me cacher comme une momie, comme ça, un bâton. Attends, je pense qu'elle monte. Je suis pas sûre. Mais non, ça n'est pas que. J'ai pas entendu la sonnerie, donc je pense pas. Elina, tu sais pourquoi je t'ai trouvé? Parce que regarde ce que t'as laissé. Et j'ai pensé que papy les avait pris. Papa! Ma cachette, elle était trop bien. J'étais trop bien cachée, mais. À mon tour. Bah, ben, je pense pas que tu vas trouver meilleure cachette que moi, là. Parti pour 2 minutes. Bon, je vais pas y aller si loin parce que je sais que Elina va chercher si loin. Je pense pas qu'elle va trouver une cachette meilleure que la mienne. Bon, elle m'a trouvé, je pense, juste parce qu'il y avait mes claquettes. Mon père qui m'a aidé à monter sur ma cachette, il a oublié les claquettes alors que je l'avais prévenu. Bon, je vais essayer de faire mieux. 3, 2, 1. Je viens de chercher. Voilà. Là, là, là. Ah,
Non, j'ai trop peur. J'ai beaucoup trop peur et je pense qu'elle aussi, donc elle va pas se cacher là. Et oh là là. Est-ce que je joue? Voilà. Elle est où? Perdu. Mais t'es où? C'est bon, j'ai gagné. Elina, elle a perdu. J'ai gagné. On va encore attendre un petit peu. Perdu. J'aurais été sûre que tu vas... Je voulais me cacher ici, mais pour moi c'était trop simple. Donc t'es sûre que tu vas pas chercher ici, hein. Mais c'était trop simple, du coup j'ai pas cherché. J'en étais sûre qu'Elina va pas chercher à l'entrée. J'en étais sûre qu'elle allait en haut pour chercher. Alors j'ai gagné, je suis trop contente. Allez, maintenant j'appuie dans 3, 2, 1 et hop. 2 minutes vont s'écouler bientôt. Comme je vous avais dit avant, je savais qu'Amélia n'était pas capable de se cacher dans le grenier où il y a le garage. Et je suis sûre qu'elle est pas capable de venir me chercher à l'intérieur. Donc je vais y aller. Je vais allumer la lumière. Je vais y aller. Pas éteindre la lumière. C'est tout noir. La lumière, elle est où? La lumière, ça c'est des escaliers. C'est bon. Et là. Tadam. C'est bon là, non? J'ai trop peur. Derrière la voiture. Il reste 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Go, je cherche. Ok, je suis sûre qu'elle va pas être là, elle va pas se cacher. Elle va pas se cacher au même endroit que moi, bien sûr. Ici, il n'y a pas de cachette. Non, dans le salon, il n'y a pas de cachette. À part... Un truc qui cloche après 2 minutes, il n'y avait pas assez de place ici. Tu penses qu'elle est là? Non, je pense pas. Alors, en haut, titi. Bon, j'espère que vous me voyez. J'ai trop peur. Et je pense que les 2 minutes, c'est bientôt écroulé. Donc elle aura plus le temps de chercher ici.
Il y a un truc qui cloche ici, c'est un peu ouvert. Elle est pas là. Non. Non. Ok, elle est pas là. Elle va pas rentrer à l'intérieur quand même. Ouais, parce que je suis vraiment c'est la triche. Mais non. Non. Aïe. Ça va pas parce que je suis encore ici. Allez, pas fort. Il est trop chaud. Je me suis cachée dans le garage parce que j'étais sûre que t'allais pas descendre. T'avais trop peur. 3, 2, 1, allumé. En fait, pendant que j'ai trouvé Elina, que je cherchais Elina, je trouve une cachette. En fait, elle est dans la cuisine. Alors, c'est bon, je me suis cachée. Ah. 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Non, je dis non, du coup. Non. Il y avait un peu la porte ouverte. Allez, vas-y, on remonte vite. Ici, il fait plus noir, donc je pense pas qu'elle y allait. Du jeu. Amel, t'as gagné. Amel. Amel, qui? Amel, Ruki? Ruki? Mais comment tu t'es caché, c'est toi? Papa, elle m'a aidé. Alors c'est bon, je me suis cachée en haut du frigo. En haut du frigo. Oh my god. Maintenant j'adore Elina. Hop, et j'ai mis 2 minutes. Où j'étais cachée, c'était facile à monter, mais difficile à redescendre. En plus, j'avais pas beaucoup de place. Ma tête, elle faisait que toucher le plafond et je faisais que de me cogner. Alors c'était un peu difficile, mais ça va, j'ai gagné. 3, 2, 1. Go! Alors, elle va se cacher ici, il n'y a pas de cachette pour elle. Ici, pas de cachette. Un truc qui bloque, ah non, je vais te la porter. Elle est pas là, j'ai pas la réponse. Elle est pas là, elle est cool.
dans le jardin, il y a même pas de cachette. Edina, sors de ta cachette! Pour le dernier round, j'ai décidé de sauter dans la piscine, de me cacher dans la piscine. Elina, crie. Je crois qu'elle est mort. Oh là là. Elle est dans la piscine. Yeah, ça fait 3 heures que tu me cherches, non? Trop forte. Mais peut-être, j'aurai un point. Oh là là. Oh, j'en étais sûre qu'elle va se cacher dans le jardin. Moi, je peux y aller. Oh là là, trop forte. En plus, j'espérais que t'allais pas me trouver parce qu'à chaque fois, je faisais que me relever. Je respirais comme ça. Et après, j'allais sous l'eau. En plus, il y avait de l'eau qui rentrait dans mon masque. J'ai trop mal à l'œil. Tu fais un masque, c'est des lunettes. Ah, des lunettes de l'optimisme. Ah, meilleure cachette. Meilleure cachette. 3, 2, 1, c'est parti. Alors cette fois-ci, je vais pas me cacher en bas parce que je fais que de me cacher en bas et je me suis pas cachée en haut. Alors je vais me cacher en haut. J'ai trouvé un endroit où je peux me cacher et ce serait trop bien. J'ai sauté dans la piscine, j'ai mouillé tous mes vêtements, mais au moins je me suis rafraîchie. Enfin, j'avais trop chaud dans le garage, puis après dans le toit. En plus, en Espagne, il fait presque 35 degrés. Il fait beaucoup trop chaud. Alors c'est bon, je me suis mise. Je suis assise. Je suis derrière les... Il reste 3 secondes. 2, 1... Bonjour. Alors là-bas, c'est déjà caché maintenant. Alors là... Non, je vais pas y aller. Maman.
Fini. Ma maman est nulle. Amel, t'es où? Amel, crie. Elle est où? Elle est dehors. Amel, crie. Recris. Là. Crie. Okay. Et mais je suis rentrée en plus. Aïe, j'ai mal. Mais non, je t'ai pas vu. Mais moi j'ai cherché ici. J'avais cherché. Alors moi j'ai un point et moi j'ai zéro. Du coup c'est elle qui a gagné pour ce cache-cache.